Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo top ou flop. Alors je ne voulais pas faire une vidéo top à part entière ni flop à part entière. Donc je me suis dit que j'allais prendre 10 produits, mélanger des tops et des flops et découvrir au fur et à mesure quels sont les tops et quels sont les flops. Et vous essaierez de deviner avant que je le dise si le produit est un top ou un flop, on va voir si vous y arrivez. Challenge du jour. Oui aussi, j'ai 11 produits mais dans le titre c'était plus joli 10, donc j'ai écrit 10. Mais j'ai triché. Donc je vous présente un produit pour les cheveux, c'est une huile d'argan de chez SKR. Super antioxydante, haute hydratation. C'est une huile que j'applique soit vraiment en toute petite quantité sur les pointes pour les hydrater, soit en plus grosse quantité la nuit en masque. A savoir qu'il ne faut qu'une petite quantité pour que les cheveux soient vite imprégnés. Et donc ce produit est un top parce que en masque la nuit sur mes cheveux, il me donne un effet de ouf le lendemain quand je les lave. Ils sont vraiment doux, soyeux. Donc voilà, premier top. Deuxième produit, c'est un crayon à sourcils de chez MAC. J'ai toujours utilisé des poudres pour mes sourcils, donc des fards, parce que je raconte des poudres. Ou alors des gels à sourcils, parce que je trouve ça vraiment plus naturel. Jusqu'au jour où je suis allée chez MAC et où le vendeur m'a conseillé d'essayer ce crayon. Et ça a été la révélation. Donc oui, ce crayon est un top. Il faut vraiment avoir la main très légère quand on l'applique, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Mes sourcils, je ne fais pas tous les jours, mais quand je les fais, je n'utilise pas le crayon à chaque fois parce que j'aime bien varier. Mais c'est devenu vraiment un de mes produits favoris en make-up. Et petite anecdote, pour partir en vacances, je voulais le prendre, je trouvais plus, mais plus moyen. Genre vraiment perdu, volatilisé, parti, envolé, peut-être qu'il était en vacances aussi, je sais pas. J'en ai racheté un, je suis revenue de vacances, je l'ai retrouvé. Troisième produit, des bandes de cire froide pour le visage de la marque Blond Épile. À savoir que Blond Épile, j'avais déjà essayé leur boîte rose. Cire froide visage atténue la douleur. Mon look. Donc comme vous avez compris, ce produit est un flop. C'est pas une question de bien épiler ou de mal épiler ou quoi que ce soit. Le problème est que j'ai été brûlée chimiquement à cause de ces bandes dépilatoires. Je me suis épilée toujours le soir, hein, sinon on est rouge comme pas possible pendant une heure. Toujours sur une peau propre évidemment. Je ressentais que ça me brûlait vraiment bizarrement. Pas du tout comme une sensation d'épilation classique. Vraiment comme une brûlure en fait. J'ai directement après appliqué la petite lingette à l'huile pour apaiser. Rien n'y faisait. Je me suis réveillée le lendemain. Ça me brûlait encore, mais un truc de ouf. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis réveillée, j'ai vu que c'était toujours rouge à certains endroits. J'avais comme des plaques et en fait, j'avais été brûlée. Donc j'ai eu des zones rouges au niveau de la lèvre pendant bien une semaine. Ça me faisait mal, ça me brûlait pendant une semaine. Et j'ai réfléchi et je me suis souvenue pourquoi au magasin j'avais pris les mauves. Parce que dans mes souvenirs, les roses m'avaient aussi brûlée. J'avais pas la marque rouge, mais je me suis souvenue que pendant un jour, j'avais la lèvre vraiment sensible. Mauvaise blague. Et je vous jure que j'ai vraiment peur de réessayer des bandes pour le visage. Parce que ça fait deux fois que ça m'arrive et j'ai vraiment trop peur. Donc là j'ai racheté des Vite, les classiques, et je vous dirai quoi parce que sérieusement j'ose même pas les essayer. Le quatrième produit est un crayon pour les lèvres de chez Kiko que j'ai acheté quand je suis partie à Rome. Je l'ai en teinte 510 et c'est un crayon rétractable. J'adore ce format de crayon. Alors quand je l'ai essayé la première fois, ça a été un réel coup de cœur. Une texture vraiment hyper douce, hyper opaque, facile à appliquer et surtout bien mat comme je les aime, parfaite quoi. Une belle couleur en plus, enfin, trop contente de mon achat. Et puis, après une demi-heure, une heure que je le portais, je me suis rendu compte que le crayon séchait sur les lèvres et pelait. Je sais pas par quel phénomène, j'avais des petites boules de crayon qui se formaient. Dégueulasse. Mes lèvres étaient bien exfoliées, donc j'ai pas compris. Et je l'ai réessayé deux fois par la suite et rien n'y faisait, c'était tout le temps la même catastrophe. J'avais vraiment des boule de pelage de crayon à lèvres. Donc comme vous l'avez compris, parce que du coup je vous l'ai pas dit, le produit est un flop. Le cinquième produit, c'est de la vaseline. J'utilise pour hydrater mes pieds. Après mes vacances, j'avais vraiment les pieds secs, mais comme pas possible, et comme à chaque fois après les vacances. Hein. Et tous les soirs avant de dormir, j'ai appliqué de la vaseline en grande quantité, et ça me les a réparés en 4 jours. Donc nickel, nickel, nickel. Ce produit est vraiment un top. Le sixième produit, c'est une eau micellaire de chez Dermaskin, c'est une eau micellaire détox. C'est une eau micellaire qui démaquille très bien et très vite, donc je ne devais pas insister 20 ans pour avoir la peau propre. Le hic, c'est qu'elle me laisse une sensation très étrange sur la peau. Elle me laisse comme un résidu, je dirais pas gras parce que c'est pas encore ça, je dirais comme un film chimique sur ma peau que j'aime pas. J'y arrive pas du tout et c'est vraiment dommage parce que je l'aimais bien, mais du coup ça devient un flop. En fait, c'est un top qui s'est transformé en flop. Voilà. Le septième produit, c'est un mascara de chez L'Oréal.
un nouveau en fait, un nouveau mascara, c'est le Fossil Papillon, mais le tout nouveau, donc le Intensa. Je me suis dit, je vais tester le nouveau pour voir ce qu'il a de plus. Donc il a quoi de différent par rapport au classique? Il a deux brosses en fait, une en dessous et une au-dessus. Du coup ça fait une en dessous et une au-dessus. Une pour les cils du haut et une pour les cils du bas. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas à replonger la brosse et qu'on ait déjà toute la matière pour faire un œil. Trop pratique. Et d'ailleurs, sur une photo Instagram, je portais, c'est le premier jour où je testais, et beaucoup d'entre vous m'ont dit, tes cils, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont hyper lents. Ben, c'était lui, voilà. Ce produit est un top. Très bon mascara, si vous voulez l'essayer, testez-le. Je remarque que cette phrase était vraiment très persuasive, hein. Si vous voulez le tester, testez-le. Bref! Mais c'est quoi ce bordel? Je pense que j'ai un oiseau coincé dans ma corniche. Oh putain! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Ah, oh, j'ai envie de pleurer. Oh non, je me sens vraiment pas bien, j'ai des frissons. Je vous explique, derrière ma fenêtre, j'ai une espèce de... Je sais même plus parler. De toit plat qui fait office de terrasse en fait. Et je regardais en hauteur, mais le bruit venait du bas. Il y avait un oiseau énorme qui tenait sous ses pattes un petit oiseau. Je sais pas ce qu'il allait en faire, mais c'était pas beau à voir. Donc j'ai couru, je vais pleurer là, c'est vraiment un truc de fou. Même Cookie s'est alarmé. Donc j'ai couru justement pour accéder au toit terrasse. Le gros oiseau s'est envolé parce qu'il a eu peur. Le petit aussi, et en plein vol, le gros oiseau l'a rattrapé et l'a emmené derrière un arbre hyper loin, quoi. Oh, purée. Quand j'ai vu que le gros lard s'envolait, je me suis dit, c'est bon, il est sauvé. Et en fait, non. Je suis dégoûtée, j'ai rien pu faire. Je vais me remettre de mes émotions, vous allez vous dire, mais elle est complètement cinglée, celle-là, elle pleure pour un oiseau. Bref, je vais reprendre mes esprits et boire un peu d'eau parce que je me sens vraiment tremblante. Le produit suivant, c'est un shampoing sec de chez Baptiste, le XXL Volume. A savoir que j'ai déjà essayé le classique, le brunette, le blush, celui qui sent bon. J'ai beaucoup aimé le classique, j'ai pas trop aimé le brunette, j'ai beaucoup aimé le blush. Et celui-ci, je ne l'aime pas trop. Voilà, donc c'est un semi-flop. Je suis encore mitigée, mais pour une première utilisation, je m'attendais beaucoup, beaucoup mieux. Oui, je m'attendais à beaucoup mieux. Je sais pas, il me laisse les cheveux cracra, peut-être c'est l'effet volume qui fait ça, mais je suis pas du tout conquise par cette édition. Avant dernier produit, une eau micellaire, une deuxième, de chez 5 mondes. Eau micellaire aux 5 mondes, aux 5 mondes, qu'est-ce que je raconte? Eau micellaire aux 5 fleurs. L'odeur de cette eau micellaire, je ne l'aime pas trop. Généralement, je préfère les cosmétiques qui n'ont pas d'odeur, au moins je sais bien qu'il n'y a pas de parfum. Non, c'est vraiment une odeur que je n'aime pas, ça sent la vieille fleur. Mais ça a été un réel coup de cœur pour le démaquillage. J'ai adoré et pourtant je suis difficile en démaquillant. Je démaquille bien et elle me laisse surtout un visage frais, je le sens purifié, je le sens pas alourdi par justement le produit utilisé. Donc réel coup de cœur et je n'en suis qu'au début, donc je l'aime déjà. On est maintenant à l'avant-dernier produit, il s'agit du Rafistoleur de chez Lush. Après shampoing costaud à utiliser en cas de dégâts. J'avais lu les commentaires avant d'utiliser, beaucoup disaient ouais bof, en plus il est assez liquide pour un après shampoing. Bref, la première fois que je l'ai utilisé, je me souviens avoir été très contente. Et plus j'utilisais, plus j'en étais blasée. Parce que plus j'utilisais, plus mes cheveux poussaient, plus il fallait un après-shampoing qui démêlait quand même assez bien. Il me plaisait plus. J'avais besoin d'un effet beaucoup plus flagrant pour mes longueurs. C'est donc un flop. Je vais vous montrer comme il est liquide. Regardez. Dernier produit, c'est un petit panda que j'avais vu dans un magasin de déco. Donc j'avais acheté. Et je le mets tout le temps sur ma table de nuit, parce que quand je m'endors et que je le regarde, ben je passe une bonne nuit, je m'endors égayée. Donc comme vous l'avez compris, c'est un top. Ce n'est pas un panda, c'est une crème pour les mains. Enfin oui, c'est un panda, vous voyez bien, mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Le produit qui se trouve à l'intérieur est très bon. Quand je me démaquille, je me lave les mains ensuite, puis je vais me coucher. Et donc une fois au lit, mes mains sont sèches à cause de l'eau, du calcaire et tout. Cette crème, elle se trouve vraiment sur ma table de nuit, ça c'était véridique, hein. Parce que je l'applique avant de dormir, j'ai mon petit rituel avant de dormir, crème des mains, crème des pieds, nanani nanana. Le lendemain matin, mes mains sont hydratées et douces, et ce au quotidien. Donc il fait vraiment bien son boulot, donc comme vous l'avez compris, c'est un favori. Voilà, on a terminé. J'espère que ce petit principe de ne pas vous dire directement si les produits sont des tops ou sont des flops vous aura plu et aura un peu diverti cette vidéo.
aura un peu diverti cette vidéo, aura rendu cette vidéo un peu plus divertissante. Et nous, on se retrouve au quotidien sur Facebook, Twitter, Instagram, sur ma deuxième chaîne. Toutes les infos sont en barre d'infos et c'est tout, je pense. Je vais vous laisser, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.